Depuis quelques années, la télé-réalité a perdu de sa superbe. Audience en déclin, scandale lorsque les caméras sont éteintes, le public ne semble plus y trouver son compte. La dernière décision prise par W9 vient en apporter la preuve une fois de plus. Ce vendredi, la chaîne a choisi de déprogrammer la 9e saison des Princes et des Princesses de l'Amour. Contacté par 20 minutes, W9 confirme que la sentence a été prononcée en raison des audiences insuffisantes. À l'antenne depuis le 29 novembre, l'émission a rassemblé 344 000 téléspectateurs et téléspectatrices, soit 1,5% du public, selon des chiffres Médiamétrie publiés par Pure Media. Un an auparavant, à la même période de l'année, la 8e saison avait été suivie par 682 000 fidèles, soit 2,6% de part de marché. Le format a donc vu son audience divisée par deux. Bientôt le retour des Marseillais après 10 semaines de diffusion, il ne restait plus que 10 épisodes avant de connaître l'épilogue des histoires d'Anthony, Neverly, Alex, Lena, Antoine et les autres. Que les fans se rassurent, W9 a décidé de programmer la fin de la saison sur 6play et sur Salto en avant-première. À partir de ce lundi 7 février, la chaîne remplacera la télé-réalité par une édition spéciale, Marseille, du jeu Un dîner presque parfait lors des deux prochaines semaines. Et dès le 21 février, ce sont les Marseillais au Mexique qui prendront le relais à 19h50.